Yo ces gens, comment vous allez? Pour ma part, ça va très bien et aujourd'hui, c'est story time. On va répondre à la question suivante. Comment ai-je découvert le monde de la K-pop? En gros, comment j'ai découvert la musique K-pop et pourquoi j'en écoute maintenant et voilà. N'hésitez pas vous aussi à écrire en commentaire comment vous avez découvert la K-pop. Je devais être en classe de 5ème il me semble et y a un pote que, comme ça sur MSN qui m'envoie un lien d'une vidéo. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu MSN hein. Et si vous avez connu MSN, la base. À cette époque YouTube ça venait à peine de se faire connaître. Enfin c'était assez populaire quand même mais c'était pas aussi populaire que maintenant on va dire. Et donc ce pote en question il m'a envoyé le lien de la vidéo. Je clique dessus, je lui fais... Ouais gros c'est quoi ce que tu m'as envoyé? Il m'a fait non t'inquiète regarde fais-moi confiance. Donc je clique sur la vidéo et là je tombe sur un clip de K-pop. Il faut vous dire qu'à cette époque j'étais pas prêt mentalement. J'ai cliqué sur le lien, j'ai ouvert, je suis resté comme ça au début. Juste après avoir cliqué sur le lien je lui ai fait non mais gros tu te fous de ma gueule là et tu m'envoies quoi là comme connerie. À cette époque ouais j'avoue que j'étais assez impulsif on va dire. Après j'aurais me fait non mais t'inquiète hein, écoute tu vas bien aimer et tout. Faut savoir qu'à cette époque j'écoutais beaucoup de rap américain et j'étais surtout dans ma période Eminem. La K-pop je connaissais pas trop on va dire. J'avais entendu parler de la K-pop à cette époque à cause de certains reportages qui dénigraient justement les fans. Ils faisaient un peu passer tous les fans de K-pop pour des fans hystériques dans ce genre de reportage et ça m'avait déjà fait une image un peu... un peu catalogué de la K-pop on va dire. Je suis assez ouvert d'esprit donc j'ai écouté la musique et j'ai regardé le clip en même temps. Enfin c'était pas un clip qu'il m'avait envoyé, c'était justement un live et c'était un groupe de K-pop qui se produisait. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent le groupe avec lequel j'ai découvert la K-pop. En fait il s'agit de Beast. Si vous préférez Highlight. En fait ils se sont renommés en Highlight mais je préférais quand même Beast hein. Parce que à l'époque aussi ils faisaient des meilleurs sons je trouve. Après c'est mon avis hein. Vous partagez sûrement pas le même. Mais je trouve que Beast, à l'époque, il faisait de meilleurs sons que maintenant. Bon, pour que ça vous parle un peu plus, on va redécouvrir ensemble la musique avec laquelle j'ai découvert la K-pop. C'est parti. Non, là, je m'en souviens très bien du début. Genre, il était comme ça, là. Ça me faisait taper des barres. Genre, je me suis dit, c'est quoi cette choré, là? Ah, et le refrain, il rentre trop dans la tête, je m'en souviens. La première fois que j'écoutais cette musique, après, j'arrêtais pas de la réécouter comme ça. Genre, le bouton... Play de YouTube, il se faisait violer. Hein. Excuse-moi le bouton YouTube, mais ce que j'aimais bien aussi dans le groupe de K-pop, Beast là, et dans tous les groupes de K-pop un peu, c'est que chaque membre se différencie, que ça soit capillairement, au niveau de la voix, au niveau du flow, il y avait vraiment un truc à part. Bien qu'ils soient tous asiatiques, on va pas rentrer dans le cliché, hein, mais franchement, ils étaient vraiment tous uniques pour moi. Je trouve que quand même, Beast, il faisait des meilleurs sons avant que maintenant. Je me répète peut-être, mais... Et vous aussi en commentaire si vous y pensez, dites-moi ce que vous pensez de Beast, que ce soit maintenant ou avant, ou même à travers la chanson Mystery. À ce moment-là, je le kiffe. Hein. C'était là le moment où je me suis dit, waouh, mais les Coréens, ils sont dans le futur, genre au niveau de la chorégraphie. Genre les Américains, les Français, prenez-en de la graine. Genre là, à cette époque, j'étais en classe de 5ème, quand j'ai vu ça, j'étais pas prêt. Hein. Lui aussi, j'avais pas compris pourquoi il avait tout le temps des lunettes de soleil. Oh là là, magnifique. Franchement, je peux pas dire autre chose. Et il y a aussi beaucoup de nostalgie qui parle, mais c'était... je suis vraiment content d'avoir découvert la K-pop comme ça. Bon c'est la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas en commentaire à écrire comment vous avez découvert la K-pop. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont découvert en suggestion YouTube, ou soit qui ont découvert grâce au groupe Big Bang, ou encore d'autres qui ont découvert peut-être avec Gangnam Style de Psy. Je pense qu'il y a vraiment eu des périodes comme ça où les gens ont découvert la K-pop. Genre, la K-pop, à un moment, ça a fait un petit buzz, on va dire. Même si actuellement, ça buzz pas mal. Hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais c'est ce que je ressens actuellement. Il y en a qui ont découvert avec les BTS. Hein. On va dire que c'est la nouvelle ère de K-pop. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like et partagez. Partagez surtout à vos amis, comme ça, on pourra découvrir ensemble comment ils ont découvert la K-pop et tout. Ça peut vraiment être marrant si chacun écrit en commentaire comment il a découvert. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss !